Que faire par un dimanche pluvieux? Une passation de pouvoir. Vous me direz à quoi sert une passation de pouvoir. Une passation de pouvoir, ça sert d'abord à dire merci. Merci à mes ministres délégués, Roland Lescure, Olivia Grégoire, Thomas Cazenave et Marina Ferrari. Mesdames et messieurs les ministres, vous avez été des partenaires exceptionnels dans des temps difficiles et je voudrais qu'on vous applaudisse à nouveau. Merci aux conseillères et aux conseillers de mes cabinets successifs. Vous retrouvez chaque matin depuis 7 ans a été un soutien, une fierté et un bonheur. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les directions et à tous les agents de Bercy. Je veux vous le dire très sincèrement, vous êtes une administration hors du commun. Merci aux parlementaires et aux élus qui ont soutenu sans faille la grande transformation économique de l'économie française que nous avons portée depuis 2017. Une passation de pouvoir, cela sert ensuite à parler de ce pouvoir qu'on passe. Et croyez-moi, il y a beaucoup de pouvoir entre ces murs. Un pouvoir qui doit être mis au service exclusif des Français, de leur incroyable capacité de travail et de créativité qui a toujours fasciné le monde et dont les Jeux Olympiques viennent de nous donner un exemple éclatant. Le ministère de l'Économie et des Finances doit faciliter la vie des Français. Il doit les protéger par gros temps, leur mettre du vent dans les voiles par temps calme. Il doit garantir un ordre économique transparent et impartial. Il doit protéger nos entreprises en cas de coup dur, surtout les plus petites, les accompagner face aux grandes puissances étrangères qui ne font aucun cadeau, les aider à conquérir de nouveaux marchés. Bercy doit être le ministère des possibles, comme la France est la nation des possibles. Oui, c'est possible de devenir la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Nous l'avons fait. Oui, c'est possible de parvenir au plein emploi. Nous sommes dans la bonne direction. Oui, c'est possible de mettre de côté nos querelles pour faire face unis à une crise exceptionnelle. Nous l'avons montré pendant la crise du Covid. Oui, c'est possible d'ouvrir de nouvelles usines en France. Oui, c'est possible de relancer des filières industrielles. Oui, c'est possible de faire concurrence à la Chine et aux États-Unis sur les fusées, sur le calcul quantique, sur l'intelligence artificielle, sur les avions, comme sur les réacteurs nucléaires. Oui, c'est possible de nous imposer au G20 et au G7 pour mettre en place une nouvelle fiscalité internationale, plus juste et plus efficace. La France est la nation des possibles et la plus belle nation du monde. Il y a beaucoup de pouvoir entre ces murs, mais je préfère vous le dire tout de suite, pas de pouvoir magique. Vous ne trouverez pas dans un tiroir de mon bureau je ne sais quelle recette miracle pour rétablir nos comptes publics. Vous ne trouverez que des propositions de réduction de dépenses, solides, documentées, dans la lignée de ce que nous avons engagé depuis fin 2023, et qui a été interrompu par les circonstances politiques depuis plusieurs mois. Dans ce tiroir, en revanche, vous ne trouverez aucune augmentation d'impôts, car vous le savez, je refuse depuis 7 ans cette solution de facilité. Une passation de pouvoir, enfin, cela sert à dire « bienvenue ».
Bienvenue au nouveau ministre des Comptes publics, Laurent Saint-Martin, dont j'ai apprécié les grandes qualités de rapporteur général du budget tout au long de la précédente mandature. Cher Laurent, il est là. Tu as toutes les qualités pour mener à bien le rétablissement de nos comptes publics. D'ailleurs, nous l'avons fait ensemble entre 2017 et 2019. Bienvenue à Marc Ferracci, qui aura la lourde tâche de réindustrialiser toujours plus nos territoires pour faire de la France ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une grande nation de production. Bienvenue à Marie-Agnès Poussier-Winsbach, une amie normande de 15 ans, que j'accueille ici, je ne te le cache pas, avec une émotion toute particulière. Tu as été une grande mère de Fécamp. Tu sauras poursuivre le combat essentiel pour que le travail paye toujours plus et pour la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire qui joue un rôle majeur de lien dans notre société. Bienvenue à Laurence Garnier, que je connais aussi depuis longtemps et qui aura la charge de la défense des consommateurs. Bienvenue à Marina Ferrari, mais elle est déjà entre nos murs, dans ses nouvelles fonctions, dans un secteur clé de notre économie, le tourisme. Et bienvenue, bien sûr, cher Antoine Armand. Cher Antoine, nous nous connaissons depuis quelques années maintenant. Tu prends les fonctions de ministre de l'économie et des finances à 33 ans. Visiblement, la valeur n'attend pas le nombre des années. Tu es savoyard. Enfin, haut savoyard. Merci. Je me doutais bien qu'on me corrigerait. Soyons précis. Les savoyards sont à la mode. C'est une bonne chose pour la France, car je connais leur tempérament courageux, travailleur, obstiné, modeste. Ce sont exactement les qualités dont la France a besoin par les temps qui courent. Cher Antoine, tu es savoyard de naissance, je suis basque d'adoption. Je veux donc t'offrir, en cadeau de bienvenue, un maquila basque. Le maquila, vous pouvez applaudir le maquila basque. Le maquila est un bâton de marche. Il t'aidera donc à franchir les cols. Mais il est aussi une arme de défense. Il t'aidera à affronter les périls nombreux que tu rencontreras sur ton chemin. Je te souhaite le meilleur, cher Antoine. Je te souhaite le meilleur, cher Antoine. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Vous formez une magnifique équipe. Soyez heureux à Bercy, que j'ai tant aimé. Servez le mieux possible la France.